La MRA propose aujourd'hui plusieurs services électroniques. Par conséquent, elle reçoit une importante quantité de données, notamment pour les déclarations d'impôts et les achats parmi d'autres. Mais comment analyser en profondeur de telles données pour détecter les délits comme l'évasion fiscale? Ces experts du Forum sur l'administration fiscale africaine forment actuellement les officiers de la MRA sur de nouvelles techniques d'investigation et d'analyse de données. Nous allons nous concentrer sur le développement des capacités d'analyse des données de l'unité qui gère les risques fiscaux, la construction d'une base de données et des technologies adéquates. Nous voulons les aider à gérer les risques de manière plus analytique. Nous les aiderons également à identifier les tendances et les schémas utilisés dans l'évasion fiscale. Cette formation réunit une vingtaine de membres de la MRA. Nous gagnons l'information depuis la banque, nous gagnons l'information depuis NTA, l'auto, achat de terrain, ban building permit. Et nous faisons ce qu'on appelle data matching. Par exemple, pour un salarié, combien il déclarait dans son return, nous comparons combien son employé a payé. Mais data analytics, c'est beaucoup plus à faire ban analyse, ban modeling qui nous dit pour capable uncover tax evasion. Une formation de 5 jours qui se tient du 12 au 16 septembre à Port-Louis.